Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, l'article de blog que j'ai rédigé concernait un outil que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de vous présenter. Il s'agit de la BNF. BNF qui signifie Bibliothèque nationale de France. Et comme je le disais dans le titre, il s'agit d'un bel outil d'aide à la lecture en français. Donc voilà pour cette vidéo dans laquelle je vais vous emmener à la découverte de la BNF, mais de quelques-uns de ses aspects, parce que comme vous allez voir, c'est quelque chose de, c'est un outil très très riche, qui prend du temps à avoir en main. Donc on va y aller tranquillement, mais je suis sûre que vous allez pouvoir retirer des choses de ce que je vais vous présenter. Alors on y va. Donc justement, pourquoi? Alors bien sûr, ça faisait un moment que j'avais envie de vous en parler, mais c'est vraiment en discutant il y a quelques jours avec l'un de mes étudiants que j'ai repensé à cet outil et je me suis dit que je ne vous l'avais pas encore présenté et qu'il serait intéressant d'en parler avec vous. C'est un outil, comme je l'ai dit, un petit peu avancé, mais qui pourrait vraiment intéresser certains d'entre vous pour accéder à des documents ou à des explications d'œuvres. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous êtes en niveau perfectionnement. Vous étudiez le français, mais à ce niveau-là, cela touche également la littérature, cela touche l'histoire, la culture. Il y a plein de domaines connexes qui sont impactés. Et donc, avoir accès à la Bibliothèque nationale de France peut vous aider à comprendre certaines choses, à approfondir certaines de vos connaissances. Si vous n'avez pas envie d'avoir accès à des explications d'œuvres ou à des documents, vous pouvez tout simplement avoir le plaisir d'une promenade virtuelle en France parce qu'il y a des jolis sites que l'on peut entrevoir, apercevoir via Internet. Alors, cette Bibliothèque nationale de France, communément appelée BNF, hein, c'est la référence en matière de documents. Elle est située sur Paris, avec quatre sites différents, et aussi à Avignon. Donc Avignon, c'est dans le sud de la France, on est vers la Provence. Le site historique de la BNF, c'est le site Richelieu. Donc je vous ai mis un lien pour le site Richelieu. Hop là. Donc déjà, alors, la BNF est accessible. Alors si vous avez la chance d'être en France, si vous n'êtes pas loin de Paris, je vous invite vraiment à y aller. Si vous êtes du côté d'Avignon, aussi, si vous n'êtes pas en France, ce qui est probablement le cas, eh bien, la BNF a un très bon site internet. Donc, si vous allez sur le site internet bnf.fr, vous allez tomber sur la page d'accueil et sur leur page d'accueil, vous allez avoir pas mal de choses. C'est une page qui est un petit peu, on peut un peu se perdre. Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cet article pour trier un petit peu les choses. Mais n'hésitez pas à vous promener. Vous allez déjà découvrir des choses très intéressantes. Donc, ce que je dis, c'est que cette bibliothèque a quatre sites à Paris. Le site historique, le site le plus ancien, c'est le site Richelieu. Donc, ce site Richelieu, voilà, je vous l'ai donné. Et vous voyez, c'est un lieu, si vous êtes à Paris, allez-y, allez visiter. C'est un site qui est magnifique. Cette salle ovale, c'est une salle qui a une grande verrière, un plafond en verre. Qui est de forme ovale, qui a des rayonnages de livres qui sont impressionnants, une salle de lecture qui est magnifique. Vraiment, si vous pouvez, si vous avez l'occasion, allez-y, allez voir. Donc, et elle est ouverte, voilà, comme on dit, c'est en accès libre et gratuit. Donc, si vous êtes du côté de Paris, c'est comme aller dans un musée, sauf que c'est libre et c'est gratuit. Donc, ça, c'est le site historique. Le site historique, c'est le site Richelieu qui est vraiment en plein cœur de la capitale, en plein cœur de Paris. Et comme je le dis, même si vous n'aimez pas lire, cet endroit vaut vraiment le détour. Il vaut vraiment le détour pour son architecture et sa magnifique salle ovale. Et il a un musée. Sur ce site-là, il y a effectivement un musée. Hop là, il y a un musée qui lui aussi, vous voyez, c'est un musée qui est fantastiquement décoré. Les bâtiments eux-mêmes, les plafonds, c'est un véritable joyau, c'est un véritable trésor. Donc, le musée vaut également le détour, même si vous n'êtes pas passionné par les collections elles-mêmes,
Ça vaut quand même le coup d'œil, comme on dit. Alors, j'ai choisi dans mon article de vous présenter un petit peu également l'histoire de cette bibliothèque. Alors, l'histoire de cette bibliothèque, je vous ai mis le lien. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller lire toute l'histoire. Moi, je vous ai fait un petit résumé. Elle est très ancienne parce que son origine remonte au Moyen Âge. Et tout a commencé au XVIe siècle, donc en 1500, dans les années 1500. Lorsque le roi Charles V, alors lui c'est un vieux roi, on s'en souvient plus trop, hein, a installé sa propre bibliothèque, sa bibliothèque personnelle, dans l'une des salles du palais du Louvre. Alors il faut se souvenir que le Louvre, à l'époque, c'était le palais, c'était la résidence royale, avant de devenir un musée et avant que Versailles devienne la résidence royale. Pendant des siècles, ça a été le Louvre. Et c'est seulement sous Louis XIV que Versailles est devenu la résidence royale et le Louvre a été un petit peu délaissé. Donc, à l'époque, au Moyen Âge, c'était le Louvre qui était la résidence, qui était le palais royal. Et donc, le roi Charles V, qui avait beaucoup de livres, a pris l'une des pièces du Louvre et il y a entreposé, il a stocké, entreposé, c'est synonyme de stocker, plus de 900 volumes. Donc, c'est énorme. Et c'est ainsi qu'il a débuté cette tradition et ses successeurs, donc les autres rois après lui, eh bien, ont repris la même tradition, c'est-à-dire qu'à partir des 900 volumes laissés par Charles V, ils ont enrichi cette bibliothèque, chacun a apporté ses propres livres. Au XVIe siècle, sous le roi François Ier, François Ier, c'est un roi très important, c'est un roi qui a aimé énormément les arts, les lettres, la littérature. C'est un roi également très important par rapport à la langue française. Je vais vous renvoyer à l'article que j'ai écrit sur François Ier et sur l'édit de Nantes. J'ai dit l'édit de Nantes, c'est une bêtise, c'est l'édit de Villers-Cotterêts, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'édit de Nantes, l'édit de Nantes, c'est autre chose. Donc l'édit de Villers-Cotterêts. François Ier est le premier roi qui a écrit vraiment dans la loi que les textes devaient être écrits en français au lieu d'être écrits en latin, puisque le peuple comprenait de moins en moins le latin. Et donc François Ier est un roi très important pour la langue française et pour les lettres et les arts. Et donc sous ce roi, François Ier, le rôle de cette bibliothèque a évolué. Il est devenu plus encadré et elle est devenue le lieu dans lequel chaque imprimeur et chaque libraire du royaume de France devait déposer, donc remettre, un exemplaire de tout manuscrit ou de tout livre vendu ou imprimé en France. Ça, c'est très important parce que ce que François Ier a commencé, ça continue encore aujourd'hui. Ça s'appelle le dépôt légal. Donc, et c'est ce qui a contribué depuis des siècles à constituer un véritable trésor qui contient tous les manuscrits. Chaque manuscrit qui a un jour été publié et vendu en France est déposé à la Bibliothèque nationale de France. Le fonds documentaire de cette institution regorge. Regorger, c'est déborder, il y en a plein. D'ouvrages anciens, d'ouvrages rares, d'ouvrages inédits, d'ouvrages disparus, introuvables partout ailleurs. Mais il y a un exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France. Donc on peut parler d'un véritable trésor national littéraire, mais pas uniquement, puisque les fonds de la BNF regorgent également, il y a des médailles, des photos et il y a pas mal d'autres choses. Donc il y a beaucoup, beaucoup de livres et de documents, mais pas seulement. Donc souvenez-vous, cette Bibliothèque nationale de France a été commencée par le roi Charles V. Ensuite, ses successeurs ont continué cette tradition de déposer leurs propres livres. Et sous François Ier, cette bibliothèque a pris une autre impulsion. Elle est devenue la garante, la gardienne de chaque ouvrage imprimé et vendu en France. Et donc, ce que je dis dans la suite de l'article, c'est que si vous avez un livre qui a été imprimé en France, si vous l'avez là chez vous sous la main, prenez-le et vous verrez qu'au début ou tout à la fin, il y a écrit dépôt légal et c'est suivi d'une date. Eh bien, cette information correspond tout simplement à cette obligation créée par François Ier, par le roi François Ier, de déposer un exemplaire de l'ouvrage à la BNF. Donc, le livre que vous avez en main,
Eh bien, il y a un exemplaire qui a été déposé à la Bibliothèque nationale de France. Et du coup, quand on sait que cela dure depuis François Ier et quand on pense au nombre d'ouvrages publiés chaque année, on peut se demander où il stocke tout cela. Alors justement, on en arrive au site François Ier de la BnF. Alors justement, ce problème de stockage, eh bien, il s'est bel et bien posé, il s'est réellement posé à la BnF, puisqu'à la fin du XXe siècle, il a fallu se résoudre à créer un autre site. Parce que le site historique Richelieu, le site de l'Opéra, le site de l'Arsenal, qui sont les premiers sites, étaient devenus vraiment trop petits. Il fallait, comme on dit, il fallait pousser les murs. Et donc, il a fallu répondre aux exigences de stockage et puis à la demande du public, parce que la BnF, ayant un fonds documentaire, hein, son stock, on appelle ça un fonds documentaire, et des réserves tellement riches, eh bien, la BnF attire beaucoup de lecteurs passionnés, mais beaucoup d'universitaires, beaucoup de chercheurs. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, en 1988, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, François Mitterrand, c'est celui qui a également fait construire la pyramide en verre à l'entrée du musée du Louvre, dans la cour du Louvre. C'est ce président-là, François Mitterrand. François Mitterrand a annoncé la construction d'une nouvelle bibliothèque. Et cette bibliothèque a vu le jour en 1996, sous le nom de Bibliothèque François Mitterrand. Comme on dit, hein, autant se faire plaisir, laisser son nom à la postérité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette expression, un jour, je vous ferai une petite vidéo dessus. Donc, voilà, cette BnF était devenue trop petite. Il a fallu en créer une bien plus grande. Et c'est celle que l'on voit. Alors, attendez, je vais chercher. Hop, 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 hop. Voilà, quand on arrive sur le site de la Bibliothèque nationale, bnf.fr, on voit ces grands, grands bâtiments qui ressemblent à des grands immeubles. Eh bien, ce sont les bâtiments de la BnF. Donc, c'est vraiment gigantesque, hein. On va là-dedans, on en a pour plusieurs jours, ou même peut-être plusieurs semaines, je ne sais pas, on va se perdre. Il y a plein de choses qui ne sont pas accessibles au public, puisqu'il y a des réserves. Mais imaginez le nombre de livres qui sont stockés sur le nombre d'étages, et enfin bon, c'est gigantesque, hein. Et ça, c'est la bibliothèque François Mitterrand. C'est le site François Mitterrand. Et il y a en plus les sites historiques. Donc, comme je le dis, la BnF, c'est un trésor pour monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, mais également pour les chercheurs de tous horizons, hein, comme je l'ai dit. Donc, si vous êtes curieux ou curieuse, vous pouvez tout à fait aller faire un tour, qu'il soit physique ou virtuel. C'est possible de consulter beaucoup, beaucoup de choses, même à distance. Alors, pour ma part, j'ai trouvé il y a quelques jours, justement en discutant avec mon étudiant, hein, une section BnF Fantasy. Alors, j'ai trouvé que c'était génial. On était en train de discuter d'Ovide, d'auteurs grecs et de Homère et de je ne sais plus qui, peut-être Ovide. Enfin, on était en train de discuter d'auteurs grecs et d'auteurs latins. Et j'ai voulu chercher des documents un peu accessibles pour l'aider à comprendre ces mythes, cette mythologie, ces écrits. Et je suis tombée sur la section BnF Fantasy, qui est une section qui établit des liens et propose des explications simples sur les rapports entre le style de littérature fantasy qu'on a aujourd'hui, hein, comme Le Seigneur des Anneaux et toutes ces choses-là, et les ouvrages grecs et romains. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, très très bien expliqué. Ça permet de faire connaissance avec cette très ancienne littérature qui fait partie des fondements et des fondations de la culture française. Moi personnellement, je ne suis pas particulièrement intéressée par le style littéraire fantasy, mais j'ai beaucoup aimé la présentation faite des grands mythes à l'origine de certains thèmes actuels, parce que ça montre à quel point les auteurs grecs et romains sont encore d'actualité, sans que l'on s'en doute. Et ça, vraiment, donc je vous montre, c'est ici. Voilà, BnF Fantasy. Alors, on peut jouer, découvrir, comprendre ou transmettre. J'étais dans comprendre, on peut aller dans découvrir, pourquoi pas, hein. Et voilà, c'est vraiment découvrir. Oups là, sur quoi j'ai cliqué, je ne sais pas. Découvrir la fantasy sous un autre angle, c'est format court. Donc voilà, l'héritage, on vous parle de l'héritage chrétien bouleversé. Plaidoyer pour une défense de la nature, quand les femmes prennent le pouvoir, et vous pouvez cliquer, vous pouvez aller explorer.
D'en comprendre, j'ai trouvé des choses absolument intéressantes, par exemple les sources et les influences. Quelles sont les sources et les influences? Donc là, les mythes et les épopées antiques, la mythologie de l'Europe du Nord, et à chaque fois, vous pouvez aller vous promener et vous pouvez cliquer. Le merveilleux médiéval, pareil, vous pouvez vous promener, vous pouvez cliquer. Le conte, la critique du monde moderne. Donc ce sont vraiment des choses. Voilà, de la Grèce antique à la fantasy. Vous pouvez aller vous promener, vous aurez des choses sur l'Iliade, sur l'Odyssée. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est assez concentré, assez simple. C'est vraiment, je vous recommande. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses parce qu'à chaque fois, voilà, on peut cliquer. On peut aller se promener encore plus. L'Iliade et l'Odyssée, ça fait partie des mythes qui sont vraiment aux origines de la littérature, mais aussi de la culture. Le mythe du voyage, c'est Ulysse, voilà, c'est vraiment c'est Pénélope, c'est cette guerre, toutes ces choses avec le Cyclope, cette mythologie. Donc allez-y, allez voir, c'est vraiment fantastique. Mais attention, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc allez-y par petits morceaux. Parce que si vous commencez à tout vouloir lire, c'est comme vouloir lire un dictionnaire. Vous allez mourir, c'est pas possible. Hein? Donc, picorer, picorer, hein, c'est prendre ce que l'on veut, juste ce qui nous intéresse. Choisissez, faites-vous plaisir et lisez une ou deux pages et puis vous arrêtez. D'accord? Ne lisez pas tout. Hein? Regardez les images, familiarisez-vous, prenez votre temps, mais n'allez pas trop rapidement. Hop là, où est-ce que je suis? Source influence. Hop, on peut revenir. Voilà, on navigue grâce au menu. Prenez votre temps. Hein. Les mythologies du nord de l'Europe aussi sont très intéressantes à comprendre. Voilà, vous allez apprendre plein de choses. Hein. Si vous allez vous promener sur ce BNF Fantasy, je peux vous assurer que ce n'est pas uniquement pour des adolescents. Non, c'est vraiment, et culturellement, c'est extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir accéder, découvrir certains mythes. La mythologie grecque est extrêmement complexe. Il y a énormément de dieux. Les Grecs étaient très, très, très créatifs, très inventifs. Il y a beaucoup, beaucoup de dieux. Ce sont des familles à rallonge, des familles qui n'en finissent plus de frères, de sœurs, d'enfants, de parents, de cousins. Ils se font la guerre, ils s'aiment, ils se détestent. La mythologie grecque est assez complexe. Mais là, sur ce site BNF Fantasy, ça vous permet d'aller prendre l'essentiel et de comprendre des choses assez facilement. Donc ça, c'est un outil que je vous recommande vraiment pour comprendre les origines de la littérature et de la culture française. Ensuite, un deuxième outil dans cette BNF qui est très intéressant, c'est la bibliothèque numérique Gallica. Donc Gallica, c'est cette bibliothèque numérique. Vous y trouverez en accès à distance, donc ça pour ceux qui ne sont pas en France, de nombreux ouvrages, des documents anciens, des bibliographies, des photographies, tout un trésor de connaissances à explorer. Et je vous dis avec délice, parce que moi je me suis promenée dedans, c'était fantastique. Pour les lecteurs avides, hein, ah, quand on est avide, c'est quand on a envie de dévorer. Eh bien, il y a également une base de livres numériques en accès gratuit. Ah, légalement téléchargeable, et ainsi que les classiques de la littérature française ou encore l'histoire de France en images. Donc Gallica, c'est aussi un très joli, voilà, là on est sur Gallica. Et voilà, vous avez des rétrospectives, des petites expositions, des petites choses, Marcel Proust, Louis Pasteur, Auguste Escoffier, c'est un très grand cuisinier. Vous avez des, voilà, vous avez des outils, des tutoriels pour vous en sortir. Pour les classes, ça, c'est pas mal aussi parce que c'est un peu plus simple. Regardez, là, vous avez 150 livres à télécharger, tous les classiques de la littérature, mais c'est absolument fantastique. Après, vous pouvez aller voir l'histoire de France par l'image, c'est très bien. Programme du bac, ça, c'est un peu plus avancé, mais c'est pas mal aussi. Voilà, non, mais ça, c'est fantastique. Vous avez accès à, hop là, attendez, alors je vais aller mettre sur la bonne page, qui charge tranquillement, qui charge doucement. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Vous pouvez avoir accès à des livres, vous pouvez avoir accès aux classiques, vous pouvez avoir accès à plein de choses. Vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Hein, allez-y, des anciennes choses, des cartes, des plans, des photos,
des choses historiques, l'industrie textile à Lille. Ben voilà, hein, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc voilà pour cette Bibliothèque nationale de France. Prenez le temps d'aller la découvrir. Attention, hein, ça paraît compliqué au premier abord. Mais regardez ce qui vous intéresse. Prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste. Comme je l'ai dit, donc les ressources sont immenses. Ce n'est pas en une seule fois que l'on peut trouver tout ce qui nous intéresse, mais allez découvrir le site Richelieu, regardez les expositions, prenez votre temps, promenez-vous, explorez Gallica, explorez le BNF Fantasy, qui est vraiment très bien. D'accord? Donc là, j'ai mis, voici Richelieu. Je vous mets le lien avec le site, l'article que j'ai écrit sur Richelieu. Richelieu qui a été fondateur de l'Académie française, donc c'était également un très grand homme de lettres, plus tard, hein, bien après François Ier. Mais voilà pour voilà dans cet article, j'essaierai de rajouter un lien sur François Ier. Hop là, hop là, hop là, hop là. Il y a un article sur François Ier. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais vous laisser avec cette Bibliothèque nationale de France qui est un magnifique outil. À la suite de l'article, je vous parle encore de notre cours de perfectionnement intégral. Si vous voulez vraiment progresser en français, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, eh bien, sachez que je vous propose un cours de perfectionnement intégral. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Je vous ai mis le lien. Vous tombez sur mon site de cours et vous cliquez sur le cours perfectionnement intégral FLE. C'est un site dans lequel chaque mois je prends un thème de l'actualité française. Donc ça peut être l'actualité politique, économique, culturelle, artistique. Et à travers différents supports, des articles de presse, des vidéos, des enregistrements audio, je vous aide à explorer ce thème. À travers l'exploration de ce thème, je vous livre toutes les clés historiques, toutes les clés culturelles pour comprendre ce thème. Je vous aide à travailler votre vocabulaire, votre conjugaison, grammaire, orthographe. Le pôle linguistique est extrêmement travaillé, mais surtout, je vous donne toutes les connaissances et toutes les compétences pour valider un niveau C1, un niveau C2, un bon niveau B2, de façon à pouvoir faire face dans votre vie de tous les jours ou en situation d'examen à n'importe quel type de situation, à n'importe quel type de document. Je vous donne une culture, une vision de la société française que vous trouverez uniquement dans mon cours. Donc, si cela vous intéresse, allez-y. C'est une inscription à l'année. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez également accès à toutes les archives des cours précédents. Donc, si vous vous inscrivez maintenant, vous avez accès aux archives de 2022, tout le cours de 2022, et vous aurez accès à tout le cours de 2023. Nous nous retrouvons en groupe, en vidéo chaque semaine. Et si vous ne pouvez pas assister au cours, eh bien, vous avez accès aux enregistrements que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Donc voilà, si vous voulez progresser en français, c'est le cours qu'il vous faut. Sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Allez vous promener avec délices et bonheur dans cette Bibliothèque nationale de France. Et puis, apprenez, faites-vous plaisir, c'est vraiment ça qui est le plus important. Et je vous retrouve donc jeudi pour un nouvel article de blog et mardi prochain pour la nouvelle vidéo. Au revoir.